Salut à toutes et à tous, c'est Davy Moran. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, petit deck profile Infernoid qui a donc fini deuxième aujourd'hui au LLDS de Nantes, comme vous voyez. Donc c'est parti Vladimir. Donc alors nous avons en tout premier lieu 3 Décathrons, donc la carte la plus importante, une des cartes les plus importantes du deck. Une carte obvious. Alors moi je joue un pire maïs, il y en a qui ne le jouent pas, mais moi je trouve ça très fort contre Shadow, parce que ça permet complètement de détruire un Shadow, juste cette carte. Ensuite on a deux entrapes, pareil contre Shadow, contre Cosmo, c'est franchement pas dégueu. Il y a pas mal de trucs à faire avec ça, donc contre aussi tout ce qui est fusion, etc. C'est plutôt pas mal contre BA. 3 armes addicts, donc très forte parce que voilà, elle pète et puis en plus ça permet de faire beaucoup de synchro. 3 patrulléa. 3 Sage Semas. Obviously. Voilà. 3 Atundel. Yeah. 1 Deviantir Nonunku. Yeah. Donc voilà, ça c'est tout pour les Infernoïdes. Ensuite on a 2 Raiden. Swarm. Un Trooper. Ouais. Donc le Trooper c'est pour draw. Mmh. Voilà. Et parce que c'est toujours sympa. Un trooper pour draw. Hop. On a 3 Reasoning. Very important. Yeah. Voilà. On se demande pourquoi on met des risques, c'est une très grosse tech card. Ah franchement, Shadow, j'y jouerai bien. Non, c'est tellement nul. Alors on a 3 Drag It Down Into the Grave. Donc alors ça, moi j'adore cette carte, je trouve ça tellement bien parce que ça nous permet de piocher des reasoning, etc. Ouais. Il y en a qui la jouent pas, mais moi je trouve ça vraiment... C'est obvious qu'il faut la jouer, c'est vraiment fort. Et puis au pire, après, contre des matchups où ça marche pas, dans la side, c'est pas grave. 3 Void Seer. 2 Galaxy Cyclone. Yeah. De charge pro, un recandling main deck, oui, le mec il le joue en side YCS. Je fiche, moi j'aime bien, j'adore. Un burial, un portail de monstre, un raigeki et un 1-for-1 pour les décathrons. Donc alors c'est tout pour le main deck. 40 cartes. 41 cartes. J'ai toujours joué à 41 cartes. Très bien. Donc voilà. Ensuite on va passer à l'extra deck. Donc alors, token, bien entendu. Moi je suis là. Magnifique. Moi je suis là, moi. Et voilà. Lui c'est lui là. Voilà. Donc ensuite, la tête. Avons... un Abyss Dweller, BA. Castel, ouais. Roman, Exciton. Ça c'est tout pour les niveaux 4. Ensuite on a un Migai. Un Il est droit, wesh. Un Drapesac et un Felgrand. Oh. Ensuite en synchro nous avons un Arbanes, ouais. Un Goyo, ouais. Une ancienne vibre sacrée, ah, trop fort. Très bonne carte pour les OTK avec un Atundel, vous mettez les 8000 voire même plus direct. Le Black Rose, très important. Le Scrap aussi très important, ouais. Le Crimson Blader, bon, un secret, voilà. Et Scrap Dragon. Là on a le Overlord Omega, non c'est pas Overlord, c'est Psyframe Omega. Psyframe Omega, donc c'est le niveau 8 qui vous pouvez retourner en banni au cimetière. Voilà, je m'ai fait la photo du truc qui est en mode flash. Et en dernier nous avons un Star Eater pour passer tout ce qui est Léo, parce que Léo c'est très chiant. Et Tower aussi peut-être. Et Tower aussi, bien entendu. Tower on a au même coup, voilà, donc ça passe. Et Léo aussi, mais bon c'est un peu plus chiant. Ensuite, alors, en side, nous avons side deck. Deux annihilateurs de magie, Necrose, deux Chaos Hunter, excellente carte contre, par exemple, contre tout ce qui est Hero, contre tout ce qui est aussi Spiritual Beast, très très fort. Moi j'aime beaucoup Necrose aussi, bien entendu. Ouais. Deux Typhons. Ouais, en side deck, tu joues pas trois? Non. Que deux, parce qu'on a les Galaxy Cyclone et on a d'autres cartes pour détruire les macros. Très bien. Un Dark Hole. Ouais. Ensuite en piège, nous avons deux Breakthrough. Majesty Sphine, Vanity Sphine. Voilà. Ouais. Deux Catastrophes Infernales, donc ça c'est pour Klee, pour Hero, pour Spirit Beast. Spirit Beast, bien entendu, parce que très clairement ça fait très très mal. Et on a deux Mirror Dark contre les Shadow et les Béas. Et enfin, on a deux Mistakes contre Necrose, bien entendu, contre Cosmo, et aussi, etc. Très bien. Donc ouais. Voilà, c'est tout pour ce deck profile. Bien, merci Vladimir. Félicitations pour ta seconde place. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, les gens.